Pour ce deuxième exercice, vous allez devoir maintenant effectuer les trois mêmes critères, mais maintenant sur un sprint de 60 mètres. Pour cette première course, vous allez devoir courir le plus vite possible avec vos bras libres. C'est-à-dire d'essayer de trouver la meilleure solution pour courir le plus vite possible.